chaton. Salut. En attendant la sortie de mon prochain morceau, qui ne devrait plus tarder. Mais j'ai pas de montre, moi. Ceci était un mime de qualité. Ainsi qu'une petite vidéo hors série de Derrière les fagots. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette petite annonce. Alors, comme certains d'entre vous l'ont peut-être déjà remarqué, j'ai récemment mis ma vidéo FAQ en non répertoriée. Avec le recul, j'avais fini par la trouver longue, moche, chiante, sans oublier que dessus j'avais une tête de crotte. Mais même si ma tête ne s'est pas pour autant améliorée, fais-moi un bisou. Je sais que je pourrais désormais faire bien mieux en termes de montage et d'animation. Si je reprendrai les questions qui me sont le plus fréquemment posées ici et là, vous pouvez tout à fait m'en faire parvenir de nouvelles. Ce serait bien, s'il vous plaît, sinon je pourrais pas faire de vidéo et j'aurais trop l'air la tristesse toute seule. Que ce soit dans l'espace commentaire de cette vidéo, sur Facebook, Twitter, Instagram, Ask, suivi du hashtag Lily Lota, là où ça s'avère nécessaire. Alors, soyez créatifs, sérieux, idiots, écrivez-moi de la poésie, une lettre d'amour, un tombereau d'insultes, et je ferai mon maximum pour vous apporter une réponse satisfaisante et pas trop chiante. Vous aurez jusqu'à la fin du mois d'octobre pour me faire parvenir vos questions. Et puisque nous y sommes enfin parvenus, je pensais publier la vidéo réponse pour fêter le passage des 1000 abonnés, cela entre autres surprises rigolos. Mais c'est un secret. Voilà, maintenant vous savez tout. Je vous donne donc rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, de gros bisous. これは日本人フォロワーのために、いや、皆さん、いや、ニコニコからの仲間、リリロットだよ。元気にしてる？これ質疑夫との間に、私も日本語をこったいよ。うまくなりたい。だから、それは機会が素晴らしいことだ。でも、ご心配なく、私も字幕をビデオに作るだろう。それでは、あなたの質問を送ってください。 私は日本語のニティブじゃないけど、それは分かりきっていることです。え？本当に？あなたは日本人になりませんのことですか？信じられない。うるさい。そうそうそう。もちろん、ともかく。 前にも言ったように、私は日本語のネイティブじゃないけど、だから日本語があまり話せません。押したならごめんね。でも、あなたが理解してくれることを願っています。いい、頑張ります。スライム、スライム。頑張ります。もう一回質問中に送ってください。ご覧いただきありがとう。 Dans le cadre d'une... Elle est pas dure cette phrase pourtant. Répétez. Répétez. C'est bon là? Ouais.